Opération reconquête du territoire. Samedi 1er avril, les forces armées nationales poursuivent la traque contre le quartier général du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans la zone de Nassoumbo. Les moyens aériens engagés ont repéré un renfort terroriste arrivé dans la nuit et qui a rejoint la zone boisée qui était jadis leur fief. Par la suite, le groupe se remet en mouvement vers des hameaux, certainement pour débriefer. Une fois de plus, les forces armées nationales ont tenu à être de la partie. Feu ! Sur le regroupement, plusieurs terroristes et leur logistique viennent de connaître le même sort que ceux cramés la veille dans la forêt. Dans l'après-midi, un autre groupe a l'idée de quitter la brousse, croyant trouver du répit à Nassoumbo. Une fois de plus, frappe de précision. La cible est anéantie. Plus à l'ouest, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie sont à l'offensive dans la zone de Mangodara. Là aussi, pas de quartier. Plusieurs terroristes sont neutralisés et leur sanctuaire détruit. Yeah! La détermination et la bravoure de nos combattants ont permis le ravitaillement de Solé dans le nord. Des terroristes ayant tenté d'empêcher la progression du convoi ont été tués. Au sud, l'étau se resserre sur des terroristes retranchés dans le parc national Kabore-Tambi. Là également, FDS et VDP sont sur le pied et veillent jour et nuit. Les ratissages ont permis de retrouver une dizaine de corps de terroristes morts de faim, ainsi qu'un rescapé affamé qui a fait le témoignage de leur souffrance. Dans l'Oudalan, toujours ce 1er avril, une vingtaine de binômes à moto ont traversé la frontière dans la zone de Falangoto en direction de Mbom. Là, ils font jonction avec un autre groupe dans le village abandonné. C'est le moment choisi par les facteurs engagés dans la traque pour entrer en action. La cible est touchée, traitée convenablement. Les opérations se poursuivent et la pression s'accentue sur l'ennemi jour après jour. Le message des forces armées nationales reste le même. Déposer les armes, c'est la seule issue.